Je suis bien arrivé à Volcan de Jean-Lenis, là c'est parti. Vous n'avez que ça comme jeu, hein? Ah oui. Ah, il y a les Théo, ouais. Ah, je l'ai celui-là. Le 1, je l'ai. Ah, c'est que les Insar, je crois que je les ai tous. Ça, c'est quoi le jeu de. C'est le petit dinosaure. Ah oui. Ça, c'est combien? Parce qu'il n'y a pas la. Celui-là, c'est 2 euros. 2 euros. C'est 16, je crois. Ouais. Non, ouais, ça, là, j'ai 25. Est-ce que vous pensez que c'est jouable ou pas? Pour le jeu. Pour le jeu, il est 4 000. Ça fait 4, 8, 2, 16 et 10, 26. Il manque 1 euro. C'est gentil. Pas de soucis. C'est gentil. Navré pour le repas. Ah non, non. Bravo. C'est bon. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Merci. Mehdi, c'est qui que Samy a besoin des tomes Dragon Ball là? C'est qui des tomes Dragon Ball qu'il a besoin, Samy? Ouais. Mais dis, celui-là, il n'y en a pas. Hein. Vous posez en fait des figurines, des personnages, et après, il apparaît sur la machine. Celui-là, vous les faites à combien, les tomes Dragon Ball? Ouais. C'est chaud. Vous les faites à les Dragon Ball? 7 euros pièce. Ah, il n'y a pas un autre 5 Les jeux sont décolorés à mort. Ici, il y en a 20 centimes. Et c'est 20 centimes par carte. 20 centimes. Il y en a 100 cartes des euros. Il reste combien les jeux? 5 euros. Okay. 10 euros. Cela, 10 euros, oui. D'accord. Bonjour, vous faites combien de jouets? Ah. Celui-là, c'est 15. 15. Combien tu fais les bonnes? D'accord. Merci. Hein. Oui. Pas très Xbox. Il y en a aussi là. Ici. Ah oui, il y a même. Moi, je ne vais pas voir quand ça. Hein? Je connais quoi celui-là? J'ai jamais vu celui-là. J'ai jamais vu. C'est marrant ça. C'est un truc d'enquête ça. Non, la pompe, on n'a pas donné. Désolé. Ben, je vous en prie, merci à vous. Oh, c'est complètement rayé. Tu fais combien ceux-là? Ouais, tiens. Ah, regarde, c'est déjà mieux là. Il y a combien celui-là, monsieur? Ça, c'est à 35, madame. 35?
30 euros, je vous l'ai. Il y en a en 11 aussi, je crois. Et ça, là, les jeux là-dedans, là. Pareil pour les petits, là. Les petits, là, 3 euros, je crois. 3 euros ouais. Je vais regarder les petits. J'ai déjà combien ? 15. Ok, 15 euros. Comme à l'école. Il fait combien, le jeu PS3 ? C'est attaqué. Celui-là, là. Ah. Non, il est pas vu celui-là. C'est quoi? Oh, c'est une arrière et un avant, enfin, c'est pas ça. Oh. Attention, dans ce jeu, rien ne va. Il y a rien qui est. La notice est Motor Toon, à l'intérieur c'est Monopoly. Et de côté, c'est Wipeout. Vous voyez ça? Et le lot, là, tu as des gens en loose, là, tu as combien? Le lot, ouais. Vas-y, regarde. Ouais. Le jeu. Mais tu le loues, si vous voulez, pour changer celui-là, pour que tu comprends. Oh, le lot, il me met la vie, il me met beaucoup de Ça dépend de quel. 5 euros. 5 euros. Ça, 5 euros, ça. Ça, 10, ouais, ça peut. Tu me fais. Je sais, mais. Aïe. Ça fait 15, c'est ça. Votre main le plus grand de tous les héros. Tu sais qu'à la fin, moi, ils sont plus chers que les ah, si. Ah ouais, ah ouais. Ah bah, il y a des laserdiscs. Non, mais si tu dois passer, tu vas voir. De quoi ? C'est combien les jeux ? Les jeux ? Bah, c'est 3 euros. 3 euros les Wii, 4 euros les DS. 4 euros les DS ? Oui. On part là aussi. Ce sont les deux de la. Ah, c'est des collecteurs. Celui-là, il a combien ? Il y en a 2, ça. Tu veux celui-là ou... Non, vas-y, prends. Mais celui-là aussi, il a combien, celui-là ? Celui-là, il est là, je veux dire. Ouais. Comme si j'étais à 4 euros. On est là jusqu'à 5h30 si vous en voulez. Combien à 5 ouais. Allez, collecteur. C'est vraiment. Il vaut pas des centaines d'euros. Et vous retrouvez les déjà à 12 ou 15 euros en occasion. Ça, je vous le dis.
Il est tout neuf. Il y a de la notice. Regardez. Chercher exclusivement des jeux. Oui. Ah, vous n'oubliez pas. Un pack de balles. Une fois quand il est gratuit. Des frais d'ailleurs. Pas bon camp de cours de Massène. Je suis un petit peu tôt là. Allez, c'est parti. On va trouver des jeux ou pas. Une cassette. On regardera après. Une cassette vidéo. Et du coup, il y a la Switch. Il y a la Switch avec des jeux. D'accord. Il y a un ami qui va t'intéresser. Tiens, là. La Pokémon, elle fait 18 euros dans l'album. 18 euros ? Ouais. Et vous avez les petits sachets, 20 cartes. Mmh. Il n'y en a pas de répétés. Hein. 1 euro, vous en avez 1 euro et 1 euro 50, il me semble. D'accord. Et les jeux à l'unité, vous ne le faites pas, non ? Non, les jeux à l'unité. Il y en avait un qui m'intéressait. Ouais, les cartes sont pas ouf dedans. Non, c'est des cartes normales. Ouais. Vous avez... 10 euros ? Ouais. Allez, les mangas. On y va. Ah, merci. Pinocchio en 3D. En plastique, ouais. Tout là. Ah. Bonjour, vous avez l'audio ou pas ? Non, tout est là. Oh, c'est des trucs par. Bonjour. Bonjour. Allez-y. C'est combien les jeux ? Le code. Oui. Ça c'est 30 euros. 30 ? Oh, ouais, non. Trop cher. Ouais. Pas de jeu. Folie du CD. C'est bon. Goldorak. Vous avez 5. Vous avez ce qu'il faut pour les transporteurs là. Bonjour, vous êtes à combien les mangas? Bonjour, à 3 euros le manga. D'accord. Ça va, le Naruto. Je vais bien, Naruto. Ouais, 4 euros par exemple. Ah, 4 euros. Ouais. Après, dans 2 minutes, ça va être 5, c'est ça. Ouais, bah, justement, j'avais besoin d'une. Imagine ça. Hop, t'imagines avec ça sur le poignet. Ça marche à pile en plus. Ah oui. Ouais. Même sur le poignet. Il faut être un géant là. Ouais. Je te torture. C'est vous ici. Regardez comment je tue de grattage. On vous a dit de nous placer au milieu, nous. Bah, je vais me placer à côté, sinon vous pouvez me mettre à côté. Vous avez des jeux ou pas ? Non. Non, c'est des manettes. Ok. Il y a un jeu Xbox. Et les VD, vous les faites à combien ? Pour ceux-là, je ne sais pas combien tu les vends, les coffrets. 3. D'accord. Ok, merci. Les jeux Pokémon, diamant et perles, ils peuvent savoir. 30 euros. 30 euros, tout neuf, jamais ouvert. Et encore le prix. Merci. Hein. Ça vaut 120 euros. Ah oui, mais non. Non, c'est bon, merci. Si c'est encore là, c'est qu'une. Ok, je viens de dire en double. Bonjour, c'est combien les prix ici ? Alors, les PS4, c'est 10 euros. Les PS5, c'est 20 euros. D'accord. Et PS3 ? Et PS2. 4, PS2, 2, PSP3. Mmh. D'accord. PS3... La caméra pour filmer. Ah oui, il est beau. C'est à combien celui-là ? Alors celui-là, c'est une édition collector. Et il y a les deux jeux dedans. Il y a combien ? Il est à 20, donc il est 25. Non, c'est l'édition collector. Là, il a 25. Ouais. Ok, merci. Merci. Tu fais combien les PS Vita là ? Ah ouais, alors là, comme 10 euros. 10 euros. 10 euros. Ça va ? Bah, regarde, vas-y, je vais regarder. Ça, il est vide. Ah, il est vide ? Ça fait 10 euros. Ah, c'est une boîte repro, ça, non ? Ouais. Ouais, ça. Hein. Ouais. Ça aurait été vrai, ça. Ouais, bah oui. Heureusement. Il est comme, tu fais à combien celui-là ? Celui-là, 20. Ouais. Bonjour, combien ? Je sais pas, monsieur, c'est par là. Oui ? C'est combien ? Ça, c'est 10 euros.
Et GPS 3. 2 euros, 18 les deux. Pour n'importe quel jeu ou après, les 3DS. C'est plus cher, mais c'est rare. Ah, les DS, 3DS, c'est 15 euros. Je cherche pas ça speech, moi. Ouais, vas-y. Hop. Je crois qu'il a dit. Je sais plus. T'as dit combien pour les GPS? Ça t'intéresse, je fais. Il n'y en a pas que ici, hein. Merci. On dirait Silent Hill le truc. Ah, j'avoue qu'il y a des belles pièces. Ah bah m'étonne pas que ça soit cher. On est dans la rue, rue Chéroux. C'est pour ça que c'est cher. Bon, je suis à la deuxième brocante de la journée. Franchement c'est magnifique le coin, c'est tout nouveau. C'est dans le 15e arrondissement. C'est top ici. Ah. Franchement c'est génial. Je suis à la deuxième brocante là. L'endroit est magnifique. On va dire faire des jeux. Hop, tu fais combien les mangas à ta cote 10 ans? 2 euros. 2 euros. T'en as plusieurs ou t'en as qu'un seul? J'en ai qu'un. Ah, il est bien. Ah, je l'ai sur la loi. Tu fais combien? Bonjour, vous faites combien, Wii U? Bonjour. 50. 50. Complète. Ok. Il y a les raccords ici. Hein, d'accord, avec elle, oui. Juste pour me faire une idée. Alors, elle a du vernis, du manga dans ton. Elle doit avoir une collection. Ah, bah, tiens. Bonjour. Vous avez fait à combien les mangas? J'ai dit les 4 bitous, je l'ai fait à 6 euros. D'accord. C'est pour moi. On va pas le dire. Le choc de tout là. Salut et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer et on se retrouve pour le compte rendu. Alors il y a plein de petites choses, il y a des jeux, il y a des laserdiscs et il y a une figurine, une petite poupée, vous verrez ça après. Donc on va commencer par des laserdiscs, là vous avez vu à toute vitesse. Donc on va commencer par celui-ci, donc je les ai payés 50 centimes l'unité, j'ai partagé avec mon ami Nat, que vous connaissez tous. Alors j'ai pris le mariage de mon meilleur ami. Donc je ne possédais pas dans la collection des laserdiscs qui se trouvent juste ici, vous ne les voyez pas, mais moi je les vois. Donc celui-là, je ne le possédais pas, ça doit être l'histoire d'un mariage et d'une femme qui va à un mariage de son meilleur ami, hein, c'est ça. C'est ami sans eux, donc c'est son ami masculin. Et le deuxième laserdisc que j'ai payé 50 centimes, c'est le Bodyguard avec Whitney Houston. Alors c'est de la collection Warner Bros. Vidéo. Donc facilement reconnaissable puisque ces parties-là est grise, et poussiéreuse aussi. Alors donc nous avons Whitney Houston qu'on reconnaît ici. Je crois que c'est dans cette dans ce film-là où on entend And I, elle chante ça normalement, si je ne dis pas de bêtises. C'est tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc c'est sorti en 92 celui-là. Ah, j'ai pas dit de l'autre, attendez, on va faire aussi l'autre. Il est sorti en 80, ça va être 95, 98. Pas 98. C'est écrit dessus. Bon, bien sûr, c'est entièrement en français. Hein. Vous voyez, parce que c'est marqué le mariage, mon meilleur ami. Et la bodyguard, normalement, il est en français. Hein. Ouais, c'est... Donc, il y a combien de chapitres? Il y a 10 et 10, il y a 20 chapitres sur deux faces. Et le troisième, Laserdisc. Je n'ai jamais vu ce film-là. J'ai vaguement entendu parler. Donc il y a un casting, mais un casting de gens, quand même connus. Ouais, c'est un casting de gens connus, quand même connus. Hein. Pas tous, mais certains, oui. C'est le Young Guns.
Donc une gamme, ce que je n'ai jamais vu de ma vie. Alors donc on a vraiment du monde. Hein. On a Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, hein, le héros de 24 heures chrono, qu'on reconnaît. Il est il est là. Putain, j'ai même pas fait. Il est là. Kiefer Sutherland dans 24 heures chrono. Ça ressemble un peu à comment ça s'appelle, à Daryl, Norman Reedus. Et il y a Lou Diamond Phillips et il y a Charlie Sheen. Bon, Charlie Sheen, on l'avait reconnu. Hein, il est là. Il est là. Hop, il est ici. Et après, il y a aussi Dermot Mulroney, je ne connais pas, et Kazé Siemasgo, je ne connais pas. C'est le Young Guns, ça se passe en 1878 au Nouveau-Mexique, donc je ne connais pas du tout. Ça dure 102 minutes précisément, regardez, c'est marqué dessus, c'est marqué. Donc c'est en français et c'est sorti en 90. Donc à voir ce petit laserdisc, et c'est tout pour les laserdiscs. Et maintenant, nous allons passer aux deux et seul unique DVD que j'ai récupéré. C'est plutôt des coffrets. Donc, c'est des coffrets que vous connaissez tous, puisque c'est des personnages qui sont tout jaunes. Et oui, j'ai bien entendu, c'est les Simpsons. Et voilà. Donc, je ne possédais pas la saison 7. Donc, je récupère la saison 7 pour 1,50€. Voilà, il est complet. Hop, en super bon état. Il y a même une étiquette à l'arrière. En super bon état. Je ne le possédais pas, donc ça rentrera dans la collection. Qui est juste là-bas. Et le deuxième, c'est la saison 9 de Les Simpsons. Donc pareil, celui-là complet, qui a dû être acheté au même endroit parce qu'il y a l'étiquette à la fin. Donc, inclus le 200e épisode, vous voyez. Donc il est complet, hein. j'ai tout regardé, ils sont bien tous complets. Donc j'ai payé le tout pour 3€, donc ça fait plaisir. Je tiens à signaler que si vous ne voyez pas certains des objets dans la vidéo, c'est tout simplement parce que ça a été soit filmé sur TikTok, soit... Tout simplement, j'avais plus de batterie pour filmer. Donc voilà la précision au cas où, si vous voyez pas les objets que je vous montre. Donc on va continuer par deux jeux Xbox que j'ai payé 2€ pièce. On va commencer par le Forza Motorsport 6. Donc celui-là était sous blister. En fait, j'ai pris le lot. Il y en avait deux sur Xbox One. Donc je me suis dit pourquoi pas les prendre. Donc il y a le Forza 6. Donc sous blister. On partira à la revente. Et il y a aussi un jeu qui est pas très commun et très intéressant à récupérer. Moi je le possède déjà, mais maintenant je l'ai en double. C'est le Rare Replay. Donc le Rare Replay il est sur Xbox, celui-là il est complet, il n'y a pas de notice. Alors c'est des soins à trois pour les jeux Xbox maintenant. Pourquoi? Je sais pas, il faut demander à Xbox, à Microsoft. Donc c'est un français, c'est une compilation des meilleurs jeux de Rare, mais malheureusement il n'y a pas le jeu GoldenEye. Il y a les, comment ça s'appelle, de Perfect Dark. Il y a le Perfect Dark et le Perfect Dark Zero, mais malheureusement il n'y a pas les, il n'y a pas le GoldenEye. Regardez tous les titres, il y a Cameo Element of Power, Killer Instinct Gold, Night Lore, Luna Jetman, Perfect Dark Zero, RC Pro AM, RC Pro AM 2, Sabre Wolf, Slalom, Snake Battle and Roll, Solar Jetman, Underworld, je ne sais pas si c'est avec un U, bizarre, Viva Pinata, Trouble in Paradise, malheureusement il n'y a pas Bande de Gazouille non plus, ils n'y sont pas. Pourtant, ils sont sur l'affiche. Hein. Et il n'y a pas James Bond non plus. Regardez, il n'y est pas sur l'affiche. Hein. Il y a Banjo et Kazooie, là, juste ici, en bas. Mais il n'y a pas James Bond. Bon, dommage. Donc, j'ai payé ces deux jeux 2€. Donc, ça fait 4€ les deux. Petit jeu Switch que je rentre le seul et unique. C'est un jeu un peu merdique. Mais bon, ça fait plaisir de rentrer ça. C'est le Whisper. Whisper libre comme le vent. Donc ça, je ne vais pas partir à la revente, vous imaginez bien. Hein. Donc hop, il est complet avec la petite cartouche. Tout est complet. Il est en français. Pour 2€, on prend. Hein. Petite interlude manga. Je récupère pour 1€ symbolique le manga Pokémon La Grande Aventure. Alors c'est très vu, hein, le tome 11. C'est sorti en mai 2002. Et le deuxième, c'est un Olive Tom qui est aussi vieux que le manga Pokémon, je suppose. Alors on va regarder ça tout de suite. C'est le tome 2. Oui, c'est sorti le 1er novembre 2002. Donc c'est la même époque que Pokémon, ce livre-là. Donc pour 1€ symbolique, l'unité, ça va. Et nous allons continuer avec des jeux PS3. Je rentre un lot de 4 jeux PS3 payés 1€ l'unité, donc 4€ les 4. Donc on va commencer par le Spec Ops The Line que je ne possédais pas dans le full set PS3. Donc c'est le numéro 1157, voilà, si, je vais montrer, et bien sûr celui-là il est complet, donc ça fait
très plaisir de rentrer ce genre de jeu que je ne possédais pas. Ça doit être un FPS, à voir. Il me semble que j'y avais joué à l'époque. Je ne sais plus. Donc vous voyez, même l'étiquette, sans doute achetée peut-être dans un magasin tel que Retro Game Show, Retro Gameplay, ou bien alors Full Set. À quelle année ça date quand même, hein, à mon avis. Hein. Vu l'état de l'étiquette, à mon avis, ça doit dater. Hein. Et après les autres jeux, ce sont des jeux PS3, mais cette fois-ci sous blister. Bon, après, c'est des titres pas ouf. Hein. Donc pour 1€, j'ai récupéré le Tiger Woods PGA Tour 2011. 11 plutôt, pour être précis. Vous voyez, il y a même le petit liseré, légèrement un petit peu déchiré là, ici et un petit peu en dessous. Hein. Mais c'est pas très grave. Hein. De toute façon, il est sous blister. Et je pense pas le déballer un jour, ce genre de jeu. Donc c'est le numéro 870 du BLES. Donc très content d'avoir rencontré ça pour 1€. Par contre, le CD a dû se sauter. Le deuxième jeu sous blister, c'est un jeu encore PS3. C'est le Green Days Rock Band. Green Days Rock Band. Donc je ne possédais pas dans le full set PS3. Bon, ça se donne très bien, il est sous blister. De toute façon, j'allais pas l'ouvrir et j'allais pas jouer à la guitare. Alors, donc il y a quoi comme titre? Donc on a Vincent Turi, Breakdown, American Idiot, Basket Case, Before the Bottomy, Lobotomy, pardon, ah oui, Lobotomy carrément. Bon, les titres connus de Green Day. Donc je suis très content de rentrer ça pour la somme d'1€. Et le dernier jeu, c'est pas trop mal. Bon, après c'est du GTA, c'est du GTA 4. Bon, c'est assez rare de le trouver en blister quand même, hein, malgré tout. Hein. C'est pas très commun, donc c'est le blister original, hein. Il y a bien le logo PlayStation 3. Et par contre, celui-là, il est marqué revente interdite, donc ça devait être sans doute dans un pack PS3. Donc très content d'avoir récupéré ce GTA 4 pour la somme de 1€. Et dans un bac à DVD, je récupère un jeu PlayStation 2, sous blister encore, et ouais, là c'est la journée du blister, somme de 1€, c'est le Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Regardez, c'est bien le liseré officiel PlayStation 2. Donc pareil, c'est pas très commun à avoir ça, des jeux Star Wars épisode 3, Menace Fantôme, sur PS2, sous blister en plus, donc c'est pas très commun. Et 1€, je pense qu'il a dû prendre ça pour un DVD. Fait plaisir. Et pour la somme de 3€, je rentre un jeu Xbox 360, c'est le Looney Tunes Acme Arsenal. Donc c'est un jeu FPS avec les Looney Tunes. Regardez-moi ça, j'avais jamais vu ça. Donc c'est pas commun à voir ça, j'avais jamais vu. Donc bah, celui-là, il est bien sûr complet et ça rentre dans la collection de jeux Xbox. Parce que celui-là, à mon avis, il n'est jamais sorti sur PS3. Sauf erreur de ma part, j'ai jamais vu. Hein. Autre jeu PS3 que je rentre pour le full set, c'est un jeu essentiel, c'est le Uncharted 2 Among Thieves. C'est dur à dire, hein. Pour ceux qui ne savent pas bien prononcer l'anglais, c'est assez dur à dire. Donc celui-là, vous voyez, c'est l'édition essentielle. Je fais la collection complète des jeux PS3, c'est-à-dire le Platinum, l'essentiel et le Black Label. Donc il est complet avec le bon CD, avec le fond rouge, vous voyez ça, c'est parfait. C'est le numéro 509. E, c'est écrit dessus, donc il n'y a pas de doute à se dire que le CD c'est bien le bon. Et la notice aussi, ils sont pas rouges, hein, les notices, ils restent normal. Et nous arrivons presque à la fin, puisqu'il reste deux objets. Le meilleur est pour la fin, vous avez pu le voir d'ailleurs chez quelqu'un d'autre, madame Trésor de Nat. Donc je récupère déjà en premier, on va commencer par ça. C'est un lot de cartes Deus. Je pense que ceux qui sont nés dans les années 80-90 ont pu connaître cette collection. C'est une collection de cartes comme ceci, voyez, avec un arrière comme cela, hop, voyez, pour ceux qui s'en rappellent. Donc il possède à peu près une trentaine de cartes, je suppose. Il y a une belle collection, hein. Le classeur est pas totalement rempli, je pense que peut-être il y a des gens qui ont dû piocher au niveau des cartes. Alors c'est difficile à montrer comme ça, hop, voyez, je vous fais montrer comme je peux, je vais montrer un peu toutes les pages, hop. Et hop, je vous ai fait montrer un paquet de pages, donc il y a à peu près, ouais, une trentaine, quarantaine de cartes. Donc voilà, l'arrière, je sais pas, c'est, je crois que c'est l'arrière, il y a une carte des Simpsons, mais l'arrière, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ça doit être du foot à mon avis, parce que je vois un F là à l'arrière. Donc très content d'avoir rentré cette collection de cartes Deus pour la somme de 5€. Et la dernière chose que j'ai récupérée, vous avez pu le voir en short, mon ami Nat a réussi à en avoir une aussi. C'est une poupée Michael Jackson avec sa musique. Regardez, il y a un petit bouton ici. Si
Si vous appuyez ici, normalement, il va résonner une musique. Alors attention, droit d'auteur. Et voilà. Donc c'est la figurine de Michael Jackson qui date de 91. C'est écrit dessous. Alors attendez, on va précisément ici. C'est écrit dessous. Vous voyez, 91. Et franchement, en parfait état. Et il n'a été même jamais ouvert puisqu'il y a encore le scotch d'origine. Alors c'est sorti par la AB, vous voyez, les AB Azoulay et Berda, pour qui j'ai été travailler pour eux, je me rappelle une période. Donc très content d'avoir récupéré cette figurine, moi je l'ai payé la somme de 30 euros, c'est quand même pas mal, au lieu de 50 hein, à la base. Hein. Donc j'ai quand même bien réussi à négocier. Donc très belle figurine, regardez ça. Et il en existe apparemment une autre avec une tenue. Donc très content d'avoir récupéré cette figurine, cette poupée de Michael Jackson. Et c'est tout pour ce vidéogrenier live et ce compte rendu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao !